Ça change un peu la donne. On attaque 7 en ADC. Et Aesenar en support, c'est pas un mauvais support non plus. On a une bonne bot lane en vrai. Attaque 7 est vraiment fort. En vrai, ils ont pas été très très loin, Solari, en playoff. Ils ont fait les playoffs? Je crois. Hein. Ils sont sortis premier tour, il me semble, contre BDS. Mais je pense que Tech 7, c'est un des meilleurs, si ce n'est peut-être le meilleur ADC de la ligue sur le split. Hein. Chez Solari. Il est très très fort. Un truc, c'est qu'on va gagner moins que ce qu'on a perdu. Ça fait chier. Minions have spawned. A land rich with information. En focus. Harry, le matchup est assez tranquille. Ce qui fait chier, c'est que j'ai pas une page de rune pour dominer quoi. Bon, après son spacing est vraiment cancer bad. Le fait qu'elle arrive à prendre un trade négatif avec un start Z sur Harry, c'est quelque chose, hein. My bad. Juste prends son flash, mec! Mais il... c'est quoi ce NPC? Oh, merci. Elle fait quoi, Larry? Ok, bon, merci à eux. Enfin, notre rôle. Je suis obligé de tenter le flash-in parce que le mec. Enfin, genre, j'ai envie d'insulter le Jarvan en fait. Notre rôle, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le bush? Il smite mes creep. Heureusement que la finalité du truc, c'est un bon move, parce que... comment ne pas tilt? Le mec est dans le bush et il le fait stick, mais il... C'est quoi ça? Je pense qu'il avait peut-être pas le CD, mais... Je suis quasi sûr qu'il l'a, le CD de Jarvan. C'est pas si grand que ça, hein. Il l'a ping? Q4 secondes, ouais, je pense qu'il lui manquait 2 secondes, 2-3 secondes. Il lui manquait peut-être. Enfin, faudrait revoir, mais je pense qu'il l'a. Hein. Je sais pas à quel moment c'était exact dans le bush. Je sais pas s'il l'avait. Yavai. Elle a encore le flash, la Vi, hein, by the way. Faut absolument que la botlane soit pas derrière. Elle est morte, la Lulu. Ils ont le reset sur Jinx. Elle est pas morte. Tech 7 avec sa grosse. Ok. Alors il prend un kill, deux kills. De fou pour moi. Au top, il se fait déchirer.
comment il est derrière au farm au top? Ah, le mec a une TP en face. Il a même pas TP. Il a dû prendre un mauvais trade, j'imagine. Le fait qu'elle me deny pas des creep au mid, c'est huge aussi. Elle a des bots rang 2. Il y a no flash ghost sur elle aussi. Ouais, ils ont ping de toute façon, pas besoin de ping. Je sais même pas si je suis devant Larry en termes de, d'XP parce que j'ai partagé énormément d'XP avec les gens. Parce que là normalement c'est une wave où je passe level 6 tu vois. Tout pile. Sur l'XP du canon. Il y a les vrais, j'ai une plate. Quand elle arrive elle est pas 6 Larry. Je peux la tuer là. Ah, j'ai tout raté. Après, elle a des bots rang 2, c'est un peu particulier. Elle est 6. En fait, faire ça. Je sais que je vais pas la tuer parce qu'elle va R, tu vois. Mais c'est tout le temps. Ah oui. La top 10 va être infernale. Mais il faut toujours claquer le R de la Harry comme ça. C'est super important. Si elle a pas de R, ils peuvent pas me gank. Je vais faire couronne quand même, hein, je pense. J'ai envie de faire Liandry, mais je pars du principe que Ophelios pourra tuer, I guess. Ouais, je vais faire couronne. Je vais faire couronne et pas faire Zonia, je pense. Je vais essayer comme ça. Shadow Flame 2, il y a les shields milieu. Ouais, Shadow Flame, Rabadon. Huge ça. Très lourd ce trade. Big. Y'a pas de mana sur Harry. On a la première toile. Ils vont tenter le 2v2 je pense. Pas de mana pour R.
J'aurais dû R, pas Q-Spell, j'avais pas fait gaffe à mon mana, my bad. My bad, my bad. J'étais focus sur le fait de flash, et du coup pas trop sur mon pool de mana. Sur le coup, j'avoue que c'est my bad sur ça. Normalement, elle doit mourir. Je suis un peu une merde. 5000 games de Vel'Koz pour même pas track ça. Je suis cancer bot. Creatures mewling increases during dissection. Ah, la flash dans le Q. Allez ma petite Lulu, mets des autos ma grande. On doit aller prendre ces plates. Bon après faut close la game, hein. C'est pas gagné. Hein. Comme j'avais dit tout à l'heure, ils ont un pas mauvais scaling, donc c'est pas win. Hein. En vrai si elle vient sans milieu, je la sens 0 sous tour. Hein. Une wave de plus. Après Raït, c'est pas un mauvais joueur non plus, il a des mouvements corrects. Je pense pas qu'il va grid. Ah bah t'es mort du coup. C'est bien en vrai. Il meurt pas de la Death Rocket, mais ils peuvent rotate avec Kari. Ils chase pas. T'inquiète, je t'accompagne, ma petite Lulu. Ça, je pense que ça l'a vite calmé, ça. Mm-hmm. Aïe, aïe, aïe. Je tank pour la Lulu. Après, j'ai un shot dans un 500. Je pense que j'aurais dû pas tank pour la Lulu, mais c'est sur Vi, c'est le moins pire, on va dire. Franchement, je me suis auto-pété les couilles à faire ça dans le chat. Pas beaucoup d'RM, hein. Je pense que je lui fais vraiment beaucoup de dégâts. Après, c'est qu'à santé. Et Dieu sait que ce perso, ça me cringe fort. Faut que je fasse gaffe, hein. Ils peuvent jouer sur moi. Après, j'ai pas de shutdown là, mais. Je
donne quand même 400 gold, je pense, enfin 300. Et il a une bonne vision. Il a une TP advantage aussi. Elle fait quoi, là, Harry? Bah, elle est morte. Elle a pas son merci? Si, elle l'a. Et elle est là en R, elle me sent 0. De rien. Il m'avait pas flash le milieu. En vrai, ça va, on en récupère deux quand même derrière. Ils ont pas eu la Harry? Ou elle a déjà respawn, je sais pas. Milio. C'est tellement cool avec les shields et tout. Il est trop cool. Il envoie des ballons, il fait du foot et tout. Fils de pute. Psychopathe, hein, vraiment. Casser les couilles. Hein. C'est deep de fou. Et en vrai, tu sais que le cas santé engage, ils ont le back. Ouais, ça va, vaille et top en vrai. Hey, il a fait une gale force dans cette game. Ouais, j'imagine qu'il veut avoir un petit peu de mobilité pour Arivai, mais... C'est pour Bibi encore. Milio là. J'aurais dû mettre ma ward au mid du coup. Milio. Il laisse. Ouais. Le fait que Larry joue pas Everfrost, c'est vraiment cringe aussi. J'ai bien fait du ping, je pense. Il se fait go. Ouais, par la terre entière. Sur la rotate ici, je peux jouer, mais il y a Vi. Il y a des chances qu'elle fasse le gromp, mais... Ok, ils ont fait le grand tour. Ah, c'est une bonne stopwatch sur ce timing, mais je sais pas si j'ai envie de la faire. J'ai envie d'aller vers Rabadon en fait. Tu sais que la game est pas win, hein. Encore une fois, j'ai dit, notre rôle, cette game, c'est pas simple. Hein. Ils ont pas un mauvais scaling. Hein. Milio Jinx, on disait tout à l'heure pendant les flex, mais c'est infernal. Hein. On peut jouer le blue buff sur ce timing, c'est pas mal. Je peux jouer le festi avec de Milio. Je mets pas de spell, enfin, faut que je les mette correctement les spells. Ah, ils sont bot, il est mort je pense. Ouais, il peut pas jouer. Ok, là où fail Gale Force. De rien pour ça. Par contre, le canon, bon. En vrai, notre rôle, je pense, dans une vraie game, régule la Gale Force sur un R Jarvan. Je pense que dans une vraie game, tu vois, avec la pression de la game, le stress et tout, quand Jarvan arrive, je pense que c'est vraiment dur. Tu le fais une fois sur. Une fois sur 10, c'est un notre rôle. Même pas. On prend l'inhib là. Secondes. Merci à Jarvan. Il a pas de flash. Hein, il a préféré prendre 2 CS au mid.
Il m'a bien pété les couilles. Hein. Et voilà comment nous allons potentiellement lose cette game. Ils vont contester en 3v5, ils ont encore le R de Vi, Vi has R. Okay, je sais pas ce qu'il fait avec sa Lulu, parce que du coup il n'y a pas de CD pour le Aphelios. Aphelios est mort. Il est mort. Hein. Nice. Je te dis, Nathal, cette game, ça va être infernal. Hein. Merci à Jarvan. Il va se suicider. C'est la faunache. Hein. Il est encore en train de me prendre ma wave. Hein. Il a fini de me prendre mon XP, mais wave ou... Parce que c'est à cause de ça qu'on vient de perdre 5 pour 0. Hein. Parce que c'est 5 pour 0 qu'on vient de faire là. On n'a plus de flash sur Aphelios, on n'a plus de summoner. Faunash instant, il y a un inhib down et jouer la soul derrière. Si on perd le fight au Nash, on va perdre la game. Si on perd le prochain 5v5 là, notre rôle cette game, on ne va pas win. C'est exactement la même chose que la game d'avant. Ward là, nice, pixel. Les wards de la Lulu sont pixel. Bon, je pense qu'on l'a, ils vont jouer le dragon en face pour nous deny la soul. Ok, nice. Il troll. On peut finir avec la wave, top. GG. C'est triste, hein. C'est triste parce que ça fait peur de fou. Mais GG. Il y a une wave qui arrive là, on finit avec. On va les cancel, je pense. Ils avaient juste à nous laisser le baron Nashor et cross map ou juste bah même récupérer le farm dans leur base hein. Parce qu'ils ont même pas fixé la wave au top. Parce que là s'ils avaient juste fixé la wave, même s'ils lâchent une ou deux morts, on peut pas finir tu vois. Là ils delay, franchement notre rôle, je vous ai dit ensemble select, mais ils delay la game 20 minutes, je jure qu'on ne gagne pas cette game. C'est impossible de gagner 5v5. Dans la partie, après c'est de solo queue, donc tout le monde va pas forcément jouer pixel perfect. Et le Aphelios, enfin le Akshan aurait pu catch des gens et faire revive et tout, ça reste Akshan. Mais en vrai de vrai, la game était pas si facile que ça. Hein. Milio Jinx, avec Vi qui a santé devant, la Ahri elle peut juste follow up la Vi. Il était quel elo lui? 700 LP, c'est un GM. J'avoue que... était un petit peu suspect lui sur sa Harry. Après, il a pas beaucoup de games de Harry dans l'historique. Train peut-être pour sa team. Même son build. Hein. Je pense que Luden dans cette game, c'est pas extraordinaire. Hein. Genre, une Harry, quand je joue Vel'Koz, me posera 100 fois plus de problèmes avec un Everfrost que si elle joue un mythique aggro. Il y en a qui font Liandry. Après, Liandry dans cette game n'a aucune valeur vu qu'on n'avait pas de tank. Il y a que Jarvan, mais c'est whatever. Je pense que Everfrost c'était pas mal. Hein. Il assure de toucher le bisou. Mais je pense qu'il s'est dit qu'il devait jouer genre Pene Flat et tout pour... comment ? Pour follow-up la vaille et tuer. Parce que comme on est perma shield par Lulu, il allait peut-être faire un Shadow Flame ou un truc comme ça. Après là, il avait l'air de partir Cosmic Drive. Pas fou. Bon, 1-1. On a perdu... plus que ce qu'on a
Gagné. Mais c'est fun, on se maintient GM. Deux games pour l'inactivité. Oh ouais, c'est pas mal en ce moment. Hein. C'est pas mal.